toi, petit lapin, qui mangeais des prunes comme des coquins. La pipe à la bouche, le verre à la main, en disant, mesdames, versez-nous du vin tout plein, tout palace. J'ai ressenti dans mon enfance un désir de rester enfant. J'ai ressenti une grande peur de pénétrer dans la vie. Je me sentais assez incapable de lutter pour mon existence, parce que je sentais en moi un homme fait pour la vie contemplative. C'est-à-dire, dans mon cas, quelqu'un d'autre aurait tout de suite envisagé l'entrée dans des ordres. Mais je ne sentais pas du tout cette vocation. Et il arrive un moment où il faut choisir. Les parents se leur demandent qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que... Alors voilà, c'était un drame pour moi. Je vois bien maintenant ce qui dominait à moi. C'est la liberté d'esprit. Avoir conservé dans la vie une liberté de penser. J'ai eu une grande chance. Parce que ma famille, et surtout ma mère, voyait en moi un être un peu infime. Il sentait que j'étais malade. C'est pas vrai du tout. Hein. Mais je ressemblais beaucoup à mon grand-père qui était mort tuberculeux. Alors elle a dit, eh bien, si nous le laissons étudier la carrière de musicien, elle a vu une garantie que je n'aurais pas beaucoup de travail à faire. Je suis rentré premièrement au conservatoire de Barcelone et j'ai fait le solfège, la théorie musicale. Et j'ai eu tout de suite un professeur de piano. Moi, j'étudiais le piano. Alors, à ce moment-là, je connaissais tout le répertoire pianistique. Et pourtant,